Aucun de nos moutons n'a disparu dans cette région. Non, pas encore. Faites bien attention. Il y a des loups dans la région. D'où penses-tu que j'ai celle-ci? Joël? Joël? Où es-tu donc? L'avez-vous vu? Dites-le-moi. Joël! Mais oui, mon fils, Joël. Il est grand comme ça, avec des cheveux noirs corbeaux. Grand-père dit, si tu as confiance en moi, tu feras ce que je dis. Je serai alors un excellent berger. Je sais, tu veux jouer, n'est-ce pas? D'accord, alors, suis ton chef. Bon, fais 3 pas de géant. Père, nous devons faire des plans pour protéger le troupeau. Ce soir, nous aurons besoin de tout le monde. Peut-être même de Joël. Ce n'est pas seulement pour le troupeau que je me fais du souci, Benjamin. Oui, ces bêtes n'hésiteraient pas à attaquer un animal ou même un jeune enfant. Sarah, as-tu vu ton frère? Non. Reste ici avec ton père pendant que je le cherche. Je ne veux pas avoir à te chercher toi aussi. Oui, maman. Bon, maintenant, saute. Puis tourne en rond 3 fois. Hé, wow, c'était amusant, hein? Oh, comment est-ce qu'on va pouvoir redescendre? Nous devons rentrer vite. Maman va sûrement s'inquiéter. Hé, attends une minute. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu dois m'écouter. Reviens immédiatement. Arrête-toi là immédiatement. Regardez donc ça. Le loup d'aujourd'hui semble porter les habits de ma petite fille. Joël, tu aurais dû voir l'expression sur ton visage. Tu avais l'air si drôle. Et bien, quel soulagement, ce gamin, ça ne veut jamais ce qu'il y a. Il n'y a pas de mal. Allez, descends. Non, je reste là-haut pour toujours. Eh bien, tu risques d'avoir faim là-haut. Sans compter le froid et la fatigue. Je m'en fiche. J'aurais dû savoir que c'était Sarah. Elle adore me tourner en ridicule. Je m'impatiente d'être grand et fort. Elle ne pourra plus m'effrayer. Ah, je vois. Mais ce n'est pas ta taille qui te protégera de la peur, petit homme. Quand tu crois en la promesse de Dieu d'être avec toi, sa présence te donne du courage quand quelque chose te fait peur. N'importe quelle chose, plus grande ou plus petite que toi. Je ne comprends pas, grand-père. Comment est-ce que Dieu peut être avec nous tous à la fois? De la même manière que nous sommes avec tous les moutons de notre troupeau, Joël. De la même manière que nous sommes les bergers de nos moutons, le Seigneur est aussi notre berger. Il a promis de nous envoyer un Messie pour être notre berger. Toute ma vie, je l'ai attendu. Et je suis convaincu que le Messie vient bientôt. Oh, Père, encore cette promesse du Messie? Le monde est un endroit sérieux, Père.
Seul un travail dur lui apprendra à ne pas avoir peur, pas une promesse ridicule. Un travail dur ? Avec nous dans les champs ? Oui, il commence aujourd'hui. Nous avons besoin d'une aide supplémentaire pour écarter les vrais loups. C'est injuste ! Je serai une excellente bergère, mais vous m'en empêchez. Je donnerai une bonne leçon à ces loups s'ils essayaient de faire du mal à mes moutons. Ça suffit, Sarah. Tu as assez à faire à la maison pour m'aider. Et tu peux commencer tout de suite en m'aidant à apporter l'eau. Eh bien, merci, Sarah. Sarah, c'est à peine si on a assez à manger. Tu ne peux renverser la nourriture parce que tu es fâchée. Pardonne-moi, papa. Assieds-toi, ma chérie, et essaye de ne plus causer de problèmes. Ce repas est très spécial. Vraiment ? Oui, c'est le dernier que tu prends en tant que garçon. À partir de ce soir, tu seras un berger. Vraiment, père ? Je ne suis pas sûr de cela, mais on a vu des loups dans la région. Et je veux dire des vrais loups, Joël. Peut-être que je devrais rester ici, tu sais, pour surveiller maman et Sarah. Pourquoi lui permettez-vous d'aller ? C'est un tel bébé. Non, c'est faux. Tu l'es ? C'est faux. S'il vous plaît, les enfants. Nous avons confiance en la promesse de Dieu d'être avec nous. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oh oui, je dois l'avoir oublié. J'ai entendu parler de la promesse de Dieu toute ma vie. Ça n'a jamais rien changé pour moi. Mais mon fils, je suis convaincu. Plus de parlotte, père. Ne compte sur la promesse de personne, Joël. Tu es tout seul dans la vie. C'est juste comme ça. Sois sérieux, Brambi. Nous devrons faire très attention dehors. Et tu devras me faire confiance. Eh bien, je crois n'avoir jamais vu un berger avec son troupeau sur un arbre. Salut, grand-père. Descends, Joël, j'ai quelque chose pour toi. Quoi, encore une histoire ? C'était à moi, quand j'étais un jeune garçon. Waouh, c'est le plus beau bâton que j'ai jamais vu. Je ne le mérite pas. Les cadeaux ne se méritent pas. J'aimerais simplement qu'ils t'appartiennent. C'est injuste. J'ai quelques mots du Livre Saint pour toi aussi, à propos du Messie qui prend soin de nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, grand-père, comment pourrais-je croire en quelqu'un que je ne vois pas ? Avoir confiance en Dieu est une chose formidable, mon petit-fils. Une manière de vivre. Un jour, ta confiance en lui sera aussi forte que la mienne. Je l'espère. Je le veux vraiment. Père ! Joël, il est temps de partir. Tu es prêt, mon petit berger ? Bien sûr. Est-ce que j'emmène paître le troupeau seul ? Non, non, on vient. Il y a beaucoup à marcher. Je n'ai pas peur. Et toi ? Je n'ai pas peur parce que le Seigneur est mon berger. Et je suis ton berger, Brambi. Alors tu ne dois pas avoir peur. Il n'est pas encore temps de nous reposer, Brambi. Lève-toi, sinon je devrais utiliser ce... Oh non, j'ai oublié le bâton de grand-père près de l'arbre. Regarde ! Ils ne nous attendent pas. Je sais, ceci me fait toujours me sentir mieux. Na 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 Joël. Arrête ce bruit. Tu fais peur aux moutons. Allez, allons-y, bougez-vous, oui. C'est à vous que je parle. C'est ça, tu l'as entendu ? Il est temps de bouger. Allez, partons. Tu crois qu'on peut t'attendre toute la journée, hein ?
Oh. Hé, ce n'est pas le bon chemin. Tu dois aller par ici, Brambi. Brambi, pardonne-moi. Oh, je ne serai jamais un bon berger. Reviens, Brambi. Je te demande pardon. Oh. 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 Tu es vraiment un bébé. Si j'étais un vrai loup, tu serais mort maintenant. Les loups, c'est une affaire sérieuse, Sarah. Nous pouvons remercier le Seigneur parce que tu n'es pas un vrai loup. Grand-père, ma maman a envoyé chercher Joël. Ah, vraiment? Joël a oublié son bâton. Je ne pense pas que ta maman t'enverrait dehors seule juste avant la tombée de la nuit. Surtout avec les loups qu'il y a dans la région. Eh bien... Ceci veut dire que tu vas devoir rester ici avec nous cette nuit. Oh, et ta mère va être réveillée et soucieuse pour toi. Mais il est trop tard pour te ramener chez elle maintenant. Oh, d'accord. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Cette nuit, dans la ville de Bethléem, est né votre Sauveur, votre Messie, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Qu'est-ce que l'ange a voulu dire, grand-père? Il est venu, Joël. Le Messie, il est venu comme promis. Je dois y aller. Je dois le voir avec mes propres yeux. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voulez pas manquer cela? Oui, dépêchons-nous. C'est comme tu l'avais dit, grand-père. Il est avec nous. Et cela veut dire qu'il garde vraiment ses promesses. Benjamin, est-ce que tu viens? Pourquoi faire? Pour être témoin de votre bêtise? Admets-le. Tu as peur de voir le Messie? Ridicule. J'en ai déjà vu de faux Messies. Une douzaine au moins. Alors, tu dois avoir peur de croire. Je n'ai peur de rien. Papa, ça pourrait être vrai cette fois? Joël, ce que je veux dire, c'est... J'irai, père, si ce n'est que pour prouver que tu as tort. Et le troupeau, papa? Nous le laisserons dans l'enclos. Il y sera en sécurité. Comme ça, maman peut venir aussi? Oui, elle aimera ça. Bien sûr, toute la famille ira. Ce n'est pas amusant. Dépêche-toi, Joël. Tu ne veux pas être le dernier, non? Oh non, grand-père, nous arrivons. Tu l'as entendu, Brambi? Brambi? Oh! Oh, Brambi, comment vais-je devenir un vrai berger? Dépêche-toi, Brambi! Ils sont loin devant nous! Brambi? Brambi! Non, pas encore! Brambi! Attention! Tu vois, j'ai promis d'être avec toi et je suis avec toi, comme Dieu promet d'être avec nous tous. Ah, je sais que tu es fatigué. Reposons-nous une minute. Qu'est-ce que tu penses qu'on verra dans la crèche? Est-ce que le Messie sera enveloppé de fin lin? Est-ce que la crèche sera en or? Qu'est-ce que tu en penses, Brambi? Oh, je
pense qu'on le découvrira très bientôt. Hey, quoi? Oh non, comment ai-je pu m'endormir? Oh, ils sont partis. Nous sommes dans un beau pétrin, Brambi. Brambi? Brambi, ce n'est pas le moment de jouer. Papa sera très fâché de moi. Brambi, je suis le pire des bergers. Je peux même pas m'occuper d'un seul mouton. Oh non! Des loups! Que puis-je faire maintenant? Quand tu crois en la promesse de Dieu d'être avec toi, sa présence te donne du courage quand quelque chose te fait peur. N'importe quelle chose, plus grande ou plus petite que toi. Le Messie est venu comme Dieu l'avait promis. Alors je sais qu'il est avec moi. La 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 la. Laissez Brambi tranquille, vous m'entendez? Cours, Brambi, cours! Vous, loup, vous devez apprendre à ne pas effrayer les moutons. Vous ne pouvez pas m'attraper. On a réussi. Arrête, Brambi, arrête. Nous avons encore du chemin à faire, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur maintenant que nous savons que Dieu est avec nous. Avez-vous vu Joël? Mon fils Joël, vous devez le connaître. Le voilà! Je le vois! Je suis si contente que tu sois là. Tu dois le voir, Joël. Il est quoi? Il est merveilleux. Il faut que tu vois par toi-même, fils. J'avais tellement tort, Joël. Vas-y, jette un coup d'œil, Joël. Je vais te montrer. Ah, Joël, ce que je veux dire est... Oh, Sarah, explique-toi. Ce que j'essaie de dire, c'est... pardon. Oh, c'est vrai? J'étais jalouse. Je croyais pouvoir être une meilleure bergère que toi. Tu pourrais l'être, Sarah. Tu n'as peur de rien. Oh, tu es merveilleux, grand frère Joël. Tu le sais? Qu'est-ce que tu attends, Joël? Eh bien, ça c'est quoi? Chacun a voulu donner un cadeau au Messie. Joël, vas-y, entre. Oh, je n'ai pas eu peur cette nuit, lorsque j'ai su que tu étais avec moi. Est-ce que vous croyez qu'il me comprend, malgré qu'il est un bébé? Mon nom est Joël. A-t-il déjà un nom? Son nom est Jésus. C'est un beau nom. Un très beau nom. L'écharpe de papa. Je ne savais pas qu'il fallait amener un cadeau. Je n'en ai pas. Le seul cadeau que j'ai à donner est Brambi, mon mouton. Il peut être très coquin et il est très curieux. Mais c'est un très beau mouton. Et je suis sûre que le bébé Jésus l'aimera beaucoup. Autant que moi. Bien sûr, Jésus l'aimera. Comme il t'aime, toi. Tu avais raison. Je n'oublierai jamais cette nuit.
Où est Brambi? Je l'ai donné au bébé Jésus. Je suis très fier de toi, fiston. Eh bien, nous devons reprendre le chemin. Joël, attends. Est-ce que tu pourrais t'occuper de ce mouton pour Jésus? Moi? Tu veux que je m'en occupe? Bébé Jésus a besoin d'un bon berger pour surveiller Brambi. Je serai le meilleur berger que tu aies jamais vu, je te le promets. Un bon berger aura besoin de son bâton. Marie a dit que je suis un bon berger. Oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on le reverra, papa? Oui, fiston. Il sera avec nous dans toutes nos difficultés pour toujours. Parce qu'il est notre berger? Le tien, le mien, celui de chacun. Rappelle-toi, Joël, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mon âme.